J'ai les lèvres un peu sèches. Salut, c'est Judith Kiddo et je vous présente ma jam session au Belvédère. Donc je m'appelle Judith Kiddo, je fais de la musique depuis 2019 avec donc mon groupe que j'ai créé, j'écris mes chansons, c'est de la synth-pop, frontière synth-pop et art-rock, je dirais, avec pas mal de guitares. Ça me dérange pas que ce soit aussi multifacette. En fait, par moments, je me disais, mais est-ce que ça va être cohérent et tout ça, mais j'ai l'impression que ça l'est quand même, et un peu par magie, enfin, je sais pas. C'est vrai que c'est peut-être pas, du coup, hyper facile à mettre dans une grosse case, mais en fait, ça me va, parce que c'est ça que je veux faire, et voilà. Je suis comme ça aussi, genre, très solaire, et à la fois, il y a des trucs un peu énervés, ou des... Enfin, comme tout le monde, en fait, on a tous des facettes très différentes, et... Je me souviens vraiment, à 6 ans, il y avait des albums clés dont je me souviens et des chansons que je chantais sur le chemin de l'école. Je cassais les oreilles de ma mère sur le chemin de l'école avec « In your head, in your head ». Mais après, j'ai jamais arrêté de chanter. C'est vrai que j'ai appris beaucoup, beaucoup de chansons. Et à un moment, j'étais là, mais j'en peux plus. Il faut que j'écrive mes propres chansons. Bah, j'ai juste mis un peu de temps. J'étais un peu timide, peut-être. Et je me disais, mais en fait, je suis pas instrumentiste, du coup, machin. Enfin, des trucs de légitimité qui reviennent souvent. Et puis, en fait, les chansons, je les ai écrites. Ça a été tout seul. C'est juste qu'il a fallu que je mature le truc pendant longtemps. Et voilà. Mm-mm.
une anecdote marrante à propos de, en fait, du clip. Donc on a, la chanson parle de relations toxiques, une vieille relation, mais dont j'avais toujours un peu envie de parler, comme pour, bref, expliquer comme ça les trucs. Bref, et du coup, il fallait parler de ça. Je voulais faire absolument un clip, mais c'est difficile de trouver le bon angle, en fait, pour ce genre de sujet, je trouve. Du coup, je voulais, ça parle de, un peu de masochisme, en fait, intérieur et tout, et je me disais, bah, comment utiliser ça? Et une amie m'a dit, mais je connais ce mec qui est fakir. Et il est génial, il est fakir, il est aussi routier pour le cinéma, il conduit des gros camions, c'est un personnage incroyable et tout. Et du coup, elle me l'a présenté et c'était effectivement donc Johnny le fakir, genre vraiment un monsieur incroyable. C'était vraiment fou parce que toute sa vie, c'est le cirque, donc il a une caravane géniale, un tourbus qu'il a racheté à Rock Voisine, qui est genre en doré avec un drapeau énorme du Canada. Enfin, et donc on a tourné le clip avec lui et donc dans tout ce qu'on voit est vrai en fait. Enfin, je lui marche dessus, il est vraiment sur ses pics, c'est un vrai fakir. Et voilà, ça me... Je suis contente qu'on ait réussi à l'avoir pour tourner ça. Le rapport à l'image dans mon projet, c'est super important. Genre, réaliser mes clips ou écrire mes clips, c'est vraiment... à la limite, c'est la partie que je préfère, enfin, je pense. Imaginer des histoires, enfin, c'est quand même ma formation, enfin, c'est de là que je viens. Et c'est super important aussi d'essayer d'avoir une sorte de geste un peu global, quoi. J'ai l'impression, quand on a un projet, et du coup... c'est très important, ouais, pour moi, que la fantaisie reste au centre du truc, et clips... sur scène, j'essaye de réfléchir aussi à comment je vais continuer de développer scéniquement le projet pour justement apporter des trucs, des éléments de mise en scène ou de lumière plus pensés, quoi, qui vont mettre en valeur en fait les chansons, parce que juste des chansons comme ça, en fait, ça peut être aussi très ah c'est chouette, mais en fait voilà, il faut sublimer tout le truc. Donc la première fois que j'ai fait écouter mes chansons, j'étais tellement gênée que j'ai commencé à sauter partout, la personne écoutait la chanson et moi j'étais là, je faisais des trucs bizarres parce que j'étais trop mal à l'aise. Et après la scène, bah, c'est très important aussi pour moi parce que je fais aussi du théâtre au départ, enfin je suis actrice et tout, et donc c'est évidemment très important pour moi. C'est vrai que sur scène l'énergie est plus rock, et je crois que ça vient, bah, je sais pas en fait, je me suis pas dit consciemment je voudrais que l'album soit plus calme ou que ce soit plus... Mais en fait sur scène ça se fait aussi naturellement, on a envie d'un peu plus envoyer la sauce et voilà, je dirais que ça s'est fait naturellement. Je pense qu'on a pris de plus en plus d'assurance, moi en tout cas, sur scène et donc ouais. Pour moi le plus important pour la suite du projet, c'est vraiment de m'occuper de l'aspect scénique où j'ai trop envie d'avoir un vrai show, enfin... J'ai des références quand même où pour moi c'est genre le meilleur moment. Enfin, la meilleure chose c'est quand des artistes font un spectacle, genre un vrai truc, genre bah, Kate Bush. Elle a presque pas tourné, mais elle a fait des shows incroyables et je sais pas, David Byrne. Il a fait des spectacles aussi qui sont dingues et c'est des références que j'ai pour essayer de creuser cet aspect-là et vraiment j'ai envie de m'amuser sur scène.
les morceaux, je les compose, une base de guitare-voix. Et puis j'ai, avec mon programme, mon ordi, je trouve le reste avec un bête clavier MIDI où je compose toutes les pistes. Et je me dis, OK, j'ai envie d'exprimer ça, d'exprimer cette énergie-là, ça part de là. Et après, ça dépend d'une fois à l'autre. Parfois, les paroles, elles collent directement à la mélodie. Parfois, c'est d'abord la mélodie. Et alors, il faut mettre les paroles dessus. Et ça, en général, c'est un peu plus galère. Mais j'avoue, c'est plus souvent ça qui se passe. Souvent, j'ai une mélodie parce que c'est le plus important pour moi aussi quand j'écris, c'est vraiment la mélodie de voix. C'est un peu du puzzle, voilà, d'écrire des paroles. C'est pas, pour moi, c'est peut-être le plus difficile, en fait. Et en fait, j'ai l'impression que quelque part, j'y pense tout le temps. J'ai tout le temps des idées de paroles, j'ai tout le temps des... Mais il faut vraiment qu'à un moment, je me mette à mon bureau en mode, OK, là, j'écris. Il n'y a pas de... Genre, j'ai un carnet et tous les jours, je... C'est plus des moments que je me prends, des vrais créneaux, des vrais, voilà, là, je vais prendre un mois pour ça. Ou... Parce que sinon, en fait, il y a tellement de trucs à faire que je suis éparpillée. Et voilà. Pour moi, l'anglais, c'est vraiment une langue plus... Rythmiquement, en fait, c'est une langue qui est quand même plus facile. Et du coup, c'est vrai que quand j'écris des trucs, peut-être un peu... C'est peut-être que le français va revenir dans les trucs plus calmes. Mais franchement, j'ai pas de technique ou de préférence de choix de langue. Et en fait, il faut un peu creuser, j'avoue, pour. C'est pas, peut-être pas forcément hyper clair à la première écoute, mais si tu lis ou que t'écoutes mieux mes paroles, en fait, tu te rends compte que c'est parfois des paroles un peu dark, enfin, un peu plus tristes que ça en a l'air, parce que les mélodies sont lumineuses et assez. Enfin, c'est pop et tout. Mais avec des paroles qui sont, en fait, parfois qui cachent des trucs plus tristes. Mon écriture est vraiment. Ouais, elle est vraiment centrée sur les émotions, sur ce qu'on vit, sur voilà, tout ce qu'on essaye de traverser. Ouais, ça part vraiment de là. Après, parfois, je pars aussi d'inspiration extérieure, comme la nature. J'aime bien la nature, les animaux. C'est aussi parfois, il faut aller chercher aussi à l'extérieur et tout. Mais pour cet album, ça vient plus de là, quoi. Ready to Heal, c'est donc le titre de l'album. Et ça parle justement à un moment où on sent qu'on a... on est sur vraiment le bon chemin de la guérison. Et donc c'est juste, je raconte, cette fille qui marche dans la rue et qui sent que des poids s'enlèvent d'elle et qu'elle avance et elle sait que ça... Elle sait qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, quoi, en gros. Et donc elle me tient super à cœur parce que c'est vraiment là où j'ai l'impression que c'est ce que je veux faire, où c'est apporter de la lumière à des gens qui n'ont pas eu facile.